Salut Monsieur Dan, c'est Anakin 68 pour vous parler un peu de ce matin de l'Asmodus, la box Minikin V2 de chez Asmodus 180 watts. Alors, pas de revue technique hein, comme d'habitude puisque de toute façon je fais pas ça. Simplement un avis, on va dire un peu plus poussé parce que ça fait un moment que je m'en sers déjà, ça doit faire 2 ou 3 semaines. Et là comme ça d'un premier retour, d'un premier jet, pour moi, c'est une super box. C'est vraiment une super box. De toutes les box double AQ que j'ai pu avoir, sans déconner, c'est celle que je trouve la plus chouette. Alors, d'abord, il y a le look. Clairement, moi, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la forme. C'est vrai qu'au niveau technique, c'est pas ça qui change la donne, mais c'est quand même vachement sympa d'avoir un setup qui ressemble à quelque chose. Ça prend les atouts jusqu'en 25 mm, sans problème, hein. À ceci près que, bon, avec mon tanker, j'ai un petit souci. Diego, si tu passes par là. Alors, je sais toujours pas si c'est mon atout qui déconne parce qu'il a pris un vol ou si ça vient de la box, mais ça va peut-être pas être facile à voir à la vidéo. Mais vous voyez, entre l'atout et la box, il y a un petit millimètre d'écart. Mais comment dire, le plot de l'atout est pas réglable et le plot de la box, lui, il est sur ressort, effectivement. Mais comment dire, il est descendu au maximum. Enfin, peu importe. La box 180 watts, donc allumage à 5 clics. Hein, jusque-là, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Je trouve très très chouette le positionnement des accus. Il y a comment dire, un compartiment magnétique là derrière qui tient vachement vachement bien, hein, vraiment. Et voilà, on retrouve à l'intérieur deux 18650 avec une petite languette de tissu qui est vraiment bien glandée. Voilà, on tire dessus, les deux accus viennent, je vais pas les enlever et hop. On refout par-dessus, clac, ça se remet instantanément, c'est vachement bien fermé. On a un petit logo derrière là qui rappelle le logo qu'il y a sur le switch. Switch qui d'ailleurs est aussi super agréable, hein, sincèrement. Donc allumage 5 clics, j'ai dit, voilà. En termes de punch, donc ça monte à 180 watts. Alors c'est un écran tactile. Au départ, moi j'étais pas chaud parce que je suis pas fan des machins tactiles. Et c'est vrai qu'il faut prendre un peu le il faut prendre un peu le coup de l'utiliser. Mais quand on descend le pouce dessus, voilà, on a accès soit au réglage de la puissance, hein, donc plus ou moins. Voilà, on est à 85 watts. Quand on remet un clic sur le switch, ça y est, c'est verrouillé. Alors l'avantage de cet écran tactile aussi, c'est qu'effectivement la puissance, une fois qu'elle est réglée, elle est verrouillée. Je sais pas s'il y a un mode dans le menu qui permet de couper l'écran, mais à vrai dire, on s'en fout. Alors 85 watts en termes de punch. Voilà, il n'y a pas photo, hein. Vraiment, ça fonctionne du feu de Dieu. Au niveau du menu, donc dans le menu Power, on va avoir une option pour la résistance, le mode et un setup un peu plus général, où là, on va pouvoir régler, comment dire, la luminosité de l'écran, ce genre de conneries. Mais sincèrement, moi, je mets pas le nez dans les menus. Bon, alors, ça fait du contrôle de température, hein, TCR, TFR, TCR, etc., etc. Mais moi, c'est pas du tout ma came. Donc c'est pas là-dessus que je vais donner un retour. Hein, si vous êtes fan de contrôle de température, j'imagine, vu la qualité de la box, que ça doit fonctionner du feu de Dieu. Au niveau des résistances, ben moi là-dessus, je suis à 0,15 ohms. Mais ça prend les résistances à partir de 0,1. J'ai mon petit pense-bête là sur l'écran, là, oui, parce que ça m'a été fourni par Cumulus Vap, hein, évidemment, puisque bah, t'as Cumulus Vap, là-bas, revue, là, j'ai déjà dit, hein, donc, salaud, hein, Cumulus Vap, allez-y, profitez-en. Quoi ça coûte, cette histoire? Alors, ça coûte, bon, 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 qu'est-ce que j'ai branlé du prix? Ça coûte 99 balles. Alors oui, c'est un investissement, c'est vrai, c'est un investissement, 99 balles, c'est des sous, mais 99 balles, une bonne box versus 4 box à 25 balles. Voilà. Vendu pour 40 et 395 francs, Maryse. Bienvenue au téléachat de la cigarette électronique.
Les accus à 3 volts, tu confirmes. Les accus cut à 3 volts, tu confirmes. Alors, je ne comprends pas le sens de ta question. Je sais juste que, il y a de la batterie, et quand il n'y a plus de batterie, bah, ça ne marche plus, il faut remettre un accu. Voilà, est-ce que ça cut à 3 volts, à 6 volts, à 12 volts? J'en sais foutrement rien. Je sais que c'est solide, je sais que c'est fiable, je sais que le revêtement un peu gomme comme ça, c'est vachement agréable au toucher. Et du coup, c'est une box qui ne te glisse pas dans les pattes ou qui ne glisse pas dans tous les coins. Le switch, je vous dis, je le trouve super agréable. Oui, effectivement, Christian, pour la parenthèse, toutes les résistances de TFV8 vont dans le tanker. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'essayer avec un autre atto parce que comme je suis en phase de post-déménagement, on va dire, j'ai pas trop de matos sous la main, donc j'essaie de lui mettre quelque chose d'autre sur le nez. Une petite prise mini USB ici, claquée à l'avant, qui vous permet de recharger. Tout simplement. Alors, gros avantage de cette box à l'intérieur aussi, le chipset qu'il y a dedans. Alors, le chipset qui porte un nom à coucher dehors. Voilà, GX180 acheté. Moi, je vais pas vous donner un avis technique là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que comparé à d'autres box, l'autonomie des accus, salut Gaëtan, l'autonomie des accus est vraiment optimisée là-dessus. Ça, c'est clair. Moi, j'y ai vu avec un double accu sur une journée, un bon 20-25% d'augmentation de durée d'autonomie par rapport à d'autres box que je nommerai pas parce que ça n'a aucun intérêt. Alors effectivement, elle ne fait que 180 watts. 180 watts, il faut y aller déjà. Hein. Et voilà. Non, Cédric, on peut aussi charger les accus par là, dans le mode d'emploi. Voilà quoi. Mise à jour, pas à ma connaissance. Je dois dire, j'ai pas fait de unboxing parce que ça me gonflait tout simplement. Je suis pas unboxing. Mais en tout cas, ce que je peux dire après, deux trois semaines d'utilisation, c'est que effectivement, de toutes les box double accu que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est vraiment celle que je préfère, tant pour le look que pour l'efficacité. Et pour sa solidité. Voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Si vous avez des questions par rapport à cette box, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Mais voilà. Ah, évidemment, c'est pas du tout du matos primo-accédant. Hein, si vous voulez mettre une résistance en 1,3 ohm là-dessus. Pour démarrer avec comment dire un liquide assez élevé en taux de nicotine pour vous déconnecter de la clope, c'est pas le meilleur concept. Hein. Puis bon, 99 balles, il faut quand même les sortir. Hein. C'est vrai que c'est des ronds. Le poids, j'en sais rien, c'est pas lourd. Je peux te le donner si ça vous amuse, mais voilà, ça pèse 160 grammes sans les accus. Voilà, c'est Bon, c'est une box, en général, j'utilise cette expression de dire c'est pas une box de gonzesse. Là, j'ai envie de dire que si, c'est plutôt une box unisexe, qui peut convenir aussi bien à une nana. En plus, il y a des couleurs assez flashy. Hein, on la décline chez Cumulus, elle est en rouge, violet, noir et or. Donc, voilà, c'est plutôt sympa, hein. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette box? Non, pas spécialement. En tout cas, moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas du matos de primo, je démarrerai pas par ça. Mais si à un moment donné, vous avez envie de vous payer une chouette box, pas trop compliquée à utiliser, parce qu'en plus, le menu est vachement fluide. Oui, tu penches d'un côté quand tu l'as dans la poche. Bah, les gros setups, voilà. C'est très facile d'utilisation. À part, je vous dis, cet écran tactile qui au départ est un peu déstabilisant, mais très très vite on s'y fait. Hein. Moi qui ai un vrai problème avec le tactile parce que j'ai, comment dire, voilà, par exemple, les différents modes auxquels on peut accéder dans le menu. Hein,
Donc power, contrôle de température. Bon, moi, j'utilise pas tous ces trucs. Hein. Et puis, j'ai une plage de vape qui est située entre 80 et 90 watts. Donc, c'est pas à tomber par terre non plus. Mais en tout cas, la fiabilité est là, l'autonomie est là. C'est très agréable à la main, vraiment. J'aime beaucoup les angles qui sont vachement souples comparé aux box qui sont un peu frigo et compagnie, qui sont très très carrés. Là, c'est super cool à avoir dans la paluche, ça tombe naturellement sur le pouce. Enfin, en termes d'efficacité de la box, c'est pas ça qui va changer la donne, mais c'est quand même du matos qui est vachement vachement agréable à utiliser. Moi, je la recommande. La finition, je la trouve super chouette, hein. Après, je peux pas donner un avis à long terme. Est-ce que la peinture va se barrer ou quoi? J'en sais rien. J'aimerais bien qu'elle tienne le plus longtemps possible quand même, parce que bon, j'estime qu'à 99 balles, il faut que ça tienne le pavé, quoi, parce que ça vaut quand même un peu de pognon. Mais je suis pas trop inquiet. Après, elle a pas encore pris de vol, elle a pas encore pris de choc, elle a pas encore pris ce genre de truc. Alors. Nickel, hello Mister, coucou de la Belgique, au plaisir. Non, je ne serai pas au Vape Expo, je vais pas au Vape Expo. Avec cette box en double sortie, je comprends pas ta question, Pierre. Est-ce que tu peux être un peu plus clair? Si moi que je vape dessus, Nico, avec. Et aucun problème. Ben non, c'est pas, ça semble pas être une box à problème. J'ai pas de diesel au démarrage, j'ai pas de truc qui déconne, j'ai pas tout ça. C'est vraiment, voilà, je vous dis, je suis très impressionné par cette trappe magnétique qui tient vraiment du feu de Dieu. Hein. Faut y mettre un peu de gouache pour l'enlever. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment, c'est une belle box. Voilà, c'est une belle box et non content d'être belge, je la trouve efficace, je la trouve très facile d'utilisation. J'ai pas de. Non, j'ai pas de critique à y faire. On a de belles ouvertures ici en dessous en cas de dégazage. Zamzam, je suis à 80, entre 80 et 85 watts. Voilà. Sur une résistance à 0,15, bon, c'est une résistance de TFV8, hein, je sais même plus comment elle s'appelle celle-là, puisque d'habitude j'utilise des X4, mais là je me suis planté de résistance, je sais pas ce que j'ai foutu là-dedans, enfin ça me plaît pas beaucoup, je vais la changer plus tard, mais peu importe. En tout cas, bon, évidemment, ce type de résistance avec ce type de puissance, en termes de consommation de liquide, c'est une catastrophe, hein. Ça là-dessus, je vais pas vous chanter la messe, mais là on n'est pas dans du matos de primo excellent. Hein. Dans du matos de vapoteur plus confirmé, on va dire, et surtout dans une vape hyper aérienne, hyper productrice de vapeur et compagnie. Oui, je crois que c'est ça, c'est les Q4. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir en faisant des gros nuages sans vous prendre la tête à faire vos résistances vocales et les patati patata, un tankeur avec une résistance de TFV8 à l'intérieur qui envoie un peu du pâté, vous avez le goût, vous avez la pêche et vous prenez pas trop la tête, voilà, pour vous faire plaisir, quoi, parce que franchement, pour ça, c'est sympa. Mais bon, comme je le dis souvent, ça, c'est pas de la vape anti-tabac. Hein, voilà. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. C'est pas ce matin que je vais repartir dans les polémiques et les prises de tête. Je suis pas d'humeur à ça. Simplement, j'avais envie de vous faire un retour sur cette box. Donc, la Minikin V2 de chez Asmodus, qui est vraiment une box, à mon humble avis, super chouette, qui a une plage d'utilisation qui est extrêmement large. Le Revo d'Aspire, je l'ai pas vu encore celui-là. Je vais essayer de me le faire, mais je l'ai pas encore vu. Je vais tenter de l'essayer. Voilà le retour que je voulais vous faire ce matin. Je vous mettrai le petit lien qui va bien vers Cumulus Vape dans la description si jamais vous voulez investir dans ce genre de box. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, cette vidéo ira aussi. Non, Damien, c'est 99 euros la box. 99,90 exactement, pour pas dire 100 euros, évidemment. Hein. Non, ça va. Les Pyrex en verre, ça fond pas, ça. C'est les tanks en PMMA que je faisais fondre à une époque. Non, non, la box, elle est vendue sans ATO et sans ACU, quoi. Voilà, c'est juste la box.
Il y a la même avec un AQ, probablement, je la connais pas. Enfin là, elle me dit rien, donc voilà. Mais si à un moment donné, je le redis, vous avez envie de vous offrir une belle box pour un chouette atto ou même pour quelque chose d'un peu plus simple, je le disais à l'époque, à une époque très très lointaine, quand je parlais du ProVari V1, donc pour vous dire si ça date, je trouvais qu'à cette époque, avec le ProVari V1, on avait résolu les problèmes d'autonomie, on avait résolu les problèmes de batterie dans un contexte bien précis, puisque le contexte n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui en termes d'évolution de matos. Là, on est à peu près dans la même cour, quoi. On est à peu près dans la même cour, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de chouette, de joli, de sympa, d'efficace, de facile à utiliser. Enfin voilà, moi ça faisait un moment que je lorgnais dessus et vraiment, vraiment je remercie le fabricant Cumulus de me l'avoir envoyé parce que je la trouve vraiment très très chouette, je la lâche plus depuis maintenant 2 3 semaines et même si je change d'atto, de toute façon il passera forcément par cette box parce que c'est vraiment ma box de prédilection et j'ai foutu un peu toutes les autres au placard. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, bah, il faut que ça va pas.